Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu Roblox assez particulier. Et le concept, c'est que c'est un hobby. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est du parcours. On m'a dit, fais-le, tu mets la musique et tu vas voir, ça va être trop bien. Je sais pas du tout ce que c'est exactement. On va créer un lobby. C'est bizarre qu'il y a des lobbies. Moi, j'ai beaucoup joué à des hobbies et ça ressemble pas à ça normalement. Regardez mon personnage. Pourquoi il est si triste? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave. On va lancer et on va voir ce qui se passe. En tout cas, c'est bien fait pour une fois. C'est un jeu Roblox vraiment bien fait. Je suis content. Bonjour et bienvenue dans notre hobby. Ton objectif est d'arriver jusqu'à la fin. C'est assez simple pour toi, non? Assurez-vous de rester sur le parcours et quoi que vous fassiez, ne vous éloignez pas. Et bien voilà, ça semble tout bon pour moi, amusez-vous. D'accord, ok, il y a carrément un mec qui vient me dire comment jouer. Très facile, facile, normal, difficile, extrême. Ah mais c'est facile, c'est vraiment très très facile, j'ai même pas besoin de sauter. Dites-vous, c'est vraiment du parcours, voilà, le truc c'est juste du parcours. Faites attention, lorsque vous traversez, vous ne voulez pas tomber accidentellement à votre mort. Ouais bon, c'est un peu chelou comment il le dit, mais tranquille. Bon, si on m'a proposé le jeu, on m'a dit que c'était incroyable, c'est qu'il doit y avoir un truc derrière. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est juste un hobby facile, pas très marrant. Et vu comment le jeu est bien fait, c'est qu'il doit vraiment y avoir un truc derrière. Faites attention lorsque vous sautez et vous ne voulez pas vous retrouver piégé dans le vide. Chelou lui, hein. Il me dit de pas tomber. J'ai envie de tomber, voir ce que ça fait. Vas-y, on va tomber, on va voir. Ouais, bah en fait, je meurs et il se passe rien, quoi. C'est pas très grave. Pour l'instant, c'est des plateformes qui sont même pas assez éloignées pour que je saute. Regardez comment c'est facile là. C'est même pas drôle. J'ai même pas besoin de sauter. J'ai besoin de marcher tout droit. Ah, voilà, enfin un peu de difficulté. Faut pas toucher le truc rouge, sinon je meurs. Voilà, on va le sauter juste au-dessus. Hein. C'est vraiment pas compliqué, j'ai envie de dire. Je sais pas si vous aimez les hobbies sur Roblox. Moi, j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. Parce que je vous rappelle un truc. J'ai mon compte Roblox depuis 2012 MDR, donc voilà, moi je suis un vieux de la vieille. Hein. Bon travail, vous êtes un naturel, continuez simplement, bonne chance. Oh, c'est bizarre comment tu parles. Mon hobby, je suis en train de l'éclater tellement c'est facile. Hop là, on saute, on saute, on saute. Pour ce niveau-là, j'ai une strat, vous regardez juste en haut, et c'est beaucoup plus facile. Par contre, le mec a disparu, hein, il vient plus me donner une nouvelle là. Hein. Ok, là les trucs sont un peu plus compliqués, mais c'est toujours aussi facile, hein, on va... J'ai failli mourir. Le karma, hein, il m'attrape vite. Hein. J'étais en train de dire, ouais, c'est facile, je me prends un truc rouge. Et les trucs rouges, ils one-shot même pas. Je peux rester un peu dedans. C'est vraiment facile. Bon, si pareil, on a 50 comme ça. Je suis déjà au 17 en fait. Ça va beaucoup trop vite hein, si c'est aussi facile que ça. Mais vraiment, je sais pas où est passé le mec. Il était. Oh là, je vais tomber. Il était là à chaque étape et là, d'un coup, il y est plus. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Attendez, mais là, non, mais attendez. Il vient de se passer une dinguerie là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Non mais ça devient terrifiant là, qu'est-ce qui se passe Je m'attendais pas à ça. Me dis pas que le jeu c'est un jeu d'horreur quand même. On m'a dit que c'était un hobby, on m'a pas dit que c'était un jeu d'horreur. Ah je vais péter mon crâne, c'est un jeu d'horreur en fait. Oh, ça devient un peu plus compliqué là vu que je vois rien du tout. Bon même si je vois rien du tout, non en vrai j'abuse, c'est quand même facile. J'espère juste que ça va pas être une dinguerie et qu'il va se passer des dingueries hein. Genre j'espère juste qu'il y aura pas de screamer hein. S'il y a des screamers, j'ai le TF4, moi j'étais pas venu là pour jouer à un jeu d'horreur hein. Putain, plus j'avance, plus je flippe. Je suis bientôt à la moitié. Il me reste plus que. Oh là, comment je passe? The fuck je... Ah non. D'accord, je dois suivre la ligne. Voilà, nickel. Ok, étape 25. J'ai fait la moitié du jeu, là. La musique, elle est devenue ultra distordue aussi. C'est super flippant. Hop là, étape 26. Ok, pour l'instant, ça va. C'est plutôt facile quand même. Je dis que c'est dur, mais en fait, pas du tout. Étape 27. Oh là, ça devient un peu compliqué, là, quand même. Hein. Non, je me suis fait avoir. Non, en vrai, vous m'avez baisé. Hein. J'aurais pas dû lire mes commentaires de mes vidéos Roblox. Moi, on m'a dit que c'était un hobby marrant, facile et tout. Et je me suis fait baiser. C'est un jeu d'horreur. Ok, je suis au niveau 29. Là, le prochain, il va me changer mon jeu, je pense. Qu'est-ce que ça va être. J'ai peur. Ah non mais là ça devient... Non, attendez. Il y a une ambiance un peu flippante là quand même. Mais même le son et tout il est terrifiant. Mais c'est quoi cette merde? Oh, ça devient mystiquement terrifiant là hein. J'aime pas du tout hein. Même le hobby il devient chelou. Regardez c'est quoi ces plateformes. Aïe j'ai pris des dégâts. Attendez je suis pas sûr mais je crois que même mon perso il fait des trucs bizarres. Oh non même quand je marche regardez mon perso il fait des mouvements trop chelous. Oh, non, ça c'est giga terrifiant par contre. Je commence à transpirer là, de sueur là. Eh, me dites pas qu'il va y avoir un screamer, je vous en supplie, pas de screamer. Déjà que ça commence à devenir vraiment dur là, le truc. Hop là, on saute ici, voilà. Ok, niveau 33. Ça commence à être de plus en plus dur, mais je vais y arriver. On monte. Putain, je crois qu'il y avait un screamer, voilà. J'ai peur pour rien maintenant là, c'est une dinguerie. Ok, on est au niveau 34. Hop. Heureusement que c'est quand même plutôt facile. Hein. Aïe. Bon, je dis ça, je me prends des dégâts, mais non, c'est relativement ok. C'est pas le truc le plus dur au monde. Pour l'instant, il n'y a pas de truc vraiment flippant. C'est juste l'ambiance qui est flippante. Et donc, au final, c'est ok, tiers. Même si j'aime pas du tout l'ambiance, hein, ça... Qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a eu un reflet mystérieux dans le ciel là, non? Ah non, c'est bon. Les screamers, ça commence à arriver là. Oh, je vais péter mon crâne. C'est quoi ce truc? Il y a un œil qui me regarde depuis tout à l'heure. Ça fait combien de temps qu'il me regarde ce con? Ah non. Par contre, il y a un œil là. Regardez, il y a un œil qui me regarde. Ça me terrifie. Je vous jure que j'ai des frissons. En trois étapes, je change de zone. Donc j'espère qu'il va pas trop se passer de dinguerie. Et j'adore le concept du jeu. Au début, je m'attendais à un jeu totalement basique. Et en fait, non, c'est un jeu terrifiant, wesh. L'œil est toujours là, il me regarde. Hein. Hop. Hop, ok, on traverse. Il y avait moi devant.
Il y a une apparition fantomatique de moi là, non? J'ai bugué carrément. Il y a eu mon moi qui est apparu là, non? Oh, je commence à être pas bien là. Je commence à vraiment pas être bien du tout. Dans un, je passe au prochain et je pense que le prochain, il est pas cool. Ah, mais je dois descendre là. Oh là, bizarre l'ambiance. Ok, on doit passer par là. Je commence à m'y perdre, hein. Ça commence vraiment à être compliqué à repérer les trucs. Oh, c'est bon, j'arrive au niveau 40. Il y a toujours l'œil. Pas de truc chelou, s'il vous plaît. Chelou, mon perso bouge de plus en plus et il devient ultra terrifiant, mais tranquille. Donc là, c'est le niveau extrême avec 3 petits points. Et ben super, hein, le message pas du tout terrifiant, MDR. Je vois rien, c'est une dinguerie, je vois presque rien. Je sais pas si je vais y arriver, hein. Oh là, c'est quoi cette dinguerie, wesh. C'est bon aussi, là. Bon, je tombe, je meurs. Mais en vrai, c'est très stylé, hein, encore une fois, je le dis. Jusqu'à temps que je flippe et que je hurle, mais bon. Est-ce que vous êtes là pour voir ça? Bien sûr que oui. Non, en vrai, ça devient vraiment space. J'ai du mal, je suis dans des égouts, là, wesh. C'est quoi ce délire? J'ai du mal à me repérer, hein. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce qui se passe. Mais c'est bizarre hein, quand même. Ok, plus que 5 niveaux avant la fin, je transpire. Voilà, je vous le dis. C'est quoi ce truc, wesh, qui apparaît derrière moi, là, quand je parle? En plus, c'est quand je parle hein, qu'il apparaît à chaque fois. Hein. Là, il y a des prisons. Par où je dois passer par là? Oh, regardez, il y a un trou, ouais, juste là. Eh, c'est particulier, hein. Je le répète depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment particulier. Ok, plus que 2 niveaux. Allez, je vais les speedrun parce que ça me terrifie. Oh là. Regardez ce qu'il y a devant moi, PTD, regardez comment ça pète un câble. On va passer. Comment j'y vais? Comment je vais là-bas? Ok. Retourner. Oh là, ça me dit rien qui vaille. Connexion perdue. Rétablissement de la connexion. Ok, c'est chelou de fou là. Mais je suis tombé, je suis mort. Ah non. Et là, je recommence. Je suis au tout début, mais... Oh là, c'est giga chelou. Regardez, ils me disent que je suis à l'étape 5. Oh non. Regardez, il y a une étape en haut qui s'est créée, j'ai l'impression. On va avancer, on va voir ce qui se passe. Ah non, ouais, je recommence depuis le début, là. C'est terrifiant. Oh, ouais, il me dit des trucs bizarres. Je suis sûr, c'est un lien YouTube, ça, voilà. Bah, on va recommencer le jeu, on dirait, là. Mais j'ai pas trop envie. Ça va, c'est pas très loin, j'ai l'impression. Oh, je vais me taper un de ces screamers. Je sens le screamer arriver à 400 km. Ah non, je dois me retaper tout le jeu, là, pour de vrai. Ah non, ça, par contre, c'est chiant. Hein. J'étais pas bien pendant 20 minutes là, je vais encore être pas bien pendant 30 minutes. Allez, on continue. C'est giga terrifiant par contre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je peux partir dire. Qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, wesh. Je me fais agresser. Maintenant, tu paieras. Oh, je me fais agresser, j'ai rien fait, wesh. Connexion terminée. Non, je vous jure, il est ultra terrifiant ce jeu. Non, les bruitages et tout, je vous jure, il est ultra terrifiant. Voilà. Je me réveille, je suis où? Ah non, mal. Oh putain, ça va. J'ai eu peur de ça, là, sans déconner. Non, mais comment j'ai la bonne fin? J'ai juste suivi le jeu, là. Oh, j'aurais dû me retourner quand je me disais de me retourner. Ah, il est terrifiant, ce jeu! Ah, je veux pas rejouer à ce jeu, c'est mort. Je voulais voir la bonne fin, mais je veux pas rejouer à ce jeu. Il est trop terrifiant, je me sens pas bien, là. Eh ben, le concept est incroyable. Le mec nous fait penser que c'est un jeu de base normal. Et au final, il part en couille quand tu joues. C'est une dinguerie. J'espère que ça vous a plu, et moi, je suis traumatisé. Voilà, je vous le dis, je suis traumatisé. Bon, je voulais vous présenter un vrai jeu hobby, et ben c'est ce jeu-là. Bon, comme j'avais dit, un hobby, c'est juste du parcours, hein, littéralement. Et là, le jeu, il est marrant parce que, j'ai un vélo. Voilà, j'ai juste un vélo. Je sais pas pourquoi, c'est du parcours à vélo, là, aujourd'hui. Et ça me détend parce que juste après, j'ai fait de l'horreur, et là, c'est plus de l'horreur, là. Là, au moins, c'est juste moi qui saute partout avec un vélo et qui fait le hobby. Voilà, je tombe dans le vide. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de jouer à un jeu de chill qui n'a pas des trucs horrifiques, MDR? Bon, c'est un jeu de chill, mais il est vachement dur, je fais que de tomber, là. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Bon, le principe d'un hobby, c'est toujours la même chose, c'est quand même finir la map. Là, j'ai l'impression que c'est plus du speedrun celui-là avec le vélo. Genre, c'est quand même plutôt intéressant. Ah, je suis mort. Ah, là, c'est comme dans les vrais hobbies. Tu touches le truc rouge, tu meurs. Vachement complexe. Attendez, en vrai, là. Putain, oh putain, ok, je suis trop fort. Je le rattrape. Allez, loser, va, je te mets une pointe. Oh, ok, bon, je suis mort comme une merde. Ok. Let's go, je suis passé. Ok, on passe par là. On se met là. Eh, le jeu est cool en vrai. Alors, je voulais vous montrer un hobby. J'ai pris lui parce qu'il y avait 150 000 joueurs. Voilà, je déconne pas. Il y avait vraiment 150 000 personnes qui jouaient à ce jeu-là actuellement. Mais c'est pour ça. Mais des hobbies, en vrai, il y en a plein. Et lui, en vrai, je pense c'est le hobby du moment. Non, mais il y avait un trou et chaud dedans, quoi. Bon, je pense que je fais 25% et j'arrête. Parce que c'est bien marrant, mais bon, voilà, que c'est pas le but de la vidéo. Hop là, nickel. Ok, lui, ça devrait être plutôt facile. Je passe, bonjour. Ah, ok, je saute. J'aime beaucoup le concept en vrai parce que ça allie du speedrun avec juste du jump. Mais je tombe comme une merde à chaque fois, mais tranquille. Oh, je le rattrape, le mec devant, je le rattrape. Il est tombé. Ça m'extermine. Ah, mais moi aussi, putain. Voilà, je rigole d'un mec qui tombe et voilà. Ça m'extermine. Allez, mon pote, tu peux y arriver, vas-y. On est tombés tous les deux au même moment. Ça fait... Bon, regardez, moi je speedrun parce que je suis beaucoup trop fort pour ce jeu.
Voilà, faut que je ferme ma gueule. En vrai, c'est facile quand tu te concentres, mais bon, quand tu te concentres pas, c'est dur. Et je suis sûr, il y a un vrai délire de speedrunner. Je pense que si je tape le nom du jeu sur YouTube et j'écris speedrun, il y a 1 million d'idos. Hop là, et voilà, ça s'est passé, à ton tour. Ah, j'allais trop vite. Bon, cette map commence à me faire oublier la map horreur que j'ai fait juste avant, donc je suis heureux. Je peux même dire que ça va mieux, donc je pense que je vais arrêter là. Allez, en plus, j'en ai marre de tomber. Et oui, je le réussis et j'arrête. Mais putain de merde! Ok, c'est bon, j'arrête, ça m'a saoulé.